Voilà, donc une nouvelle vidéo concernant la loi de Raoult. Rappelez-vous de cette formule-ci dans une vidéo précédente. Qu'est-ce qu'on a vu? Que la variation de l'abaissement cryoscopique par rapport à la variation de concentration était égale à une constante en fonction du produit, donc du soluté. Enfin, du produit de soluté. Oui, à certains moments, je m'entendais dire, bon, dans la vidéo, quand j'ai revu la vidéo précédente, je m'entendais dire que 10, 20, 30, dans les courbes 10, 20, 30, c'était, je m'entendais dire que je disais degrés Celsius, en fait, c'est pas des degrés Celsius. Vous savez très bien que j'avais marqué grammes par kilo. Hein. Bon, c'est un lapsus que je faisais au niveau, voilà, c'est un lapsus que je faisais, je m'en excuse, parce que je veux dire, c'est vrai que plusieurs reprises, je me suis entendu dire 10 degrés, 20 degrés, 30 degrés, en fait, c'est 10 grammes par kilo, 20 grammes, et ça, c'est évident. De toute façon, il était marqué sur les graphiques. Voilà. Pour ainsi dire, delta T sur delta C est égal à une constante pour, en fonction des produits. Voilà. Donc, on avait calculé delta T est égal à la constante qui était en fonction du produit fois le delta C. Voilà. Et si on vous prenait la constante du produit, j'introduisais la masse molaire sur la masse molaire qui était égale à 1, ceci était égal à 1, pour avoir masse du soluté sur la masse molaire du soluté. Enfin, ça c'est la masse molaire du soluté sur la masse molaire du soluté. J'introduis ceci qui est égal à 1. C'est comme si je n'avais rien fait. Donc, bon, comme ça me permet de mettre la masse du soluté sur la masse molaire du soluté. Et là, on connaît une formule qui est N. Qui est le, en fait, qui est le nombre de moles de soluté. Voilà. Voilà. Donc, ceci, c'est le nombre de moles, la masse de soluté par rapport à la masse molaire. Si on a, j'invente 64 grammes, et si la masse molaire fait 32 grammes, mais c'est qu'on a deux moles. Voilà. Donc, la formule revient à faire la constante du produit, hein, qui est égale à. Voilà, la constante du produit, là, on va dire le coefficient proportionnel de proportionnalité fois la masse molaire. On a vu que la loi de Raoult disait qu'on avait une constante qu'on appelait le KC et qui dépendait du solvant. Donc la formule nous donnait quoi? Si j'efface ceci, la formule nous donne delta T est égal au KC, puisque la constante de proportionnalité du produit fois la masse molaire du soluté est égale au KC, c'est égal au nombre de moles de soluté sur la masse du solvant en kilo. Voilà. Bon, maintenant, si je devais donner des lettres à ça, on avait vu que KC c'était en Kelvin fois des kilos par mole. Si je devais donner une. Le KC, je vais l'appeler KC. Nombre de moles, je vais appeler N. Donc j'aurai KC fois N et la masse du solvant. Sachant que N, on a vu que c'était la masse du soluté sur la masse molaire du soluté. Voilà. Alors la masse du solvant. Je vais l'appeler masse, ouais, soluté c'est S et solvant c'est S. C'est un petit peu embêtant. Donc je vais l'appeler comment? Ici, masse sol. Ouais, c'est embêtant parce que c'est toutes les trois premières. Masse soluté sur la masse molaire du soluté est égale au nombre de moles du soluté. Voilà, on va dire ça comme ça parce que je n'ai pas d'autre alternative. À moins que j'appelle par des autres lettres, mais bon, je n'ai pas trop envie. Ici, on va mettre la masse du solvant. Voilà. Nombre de moles de soluté sur la masse du solvant. M solvant. Et ça, c'est égal à la variation, à l'accroissement, je veux dire, cryoscopique. Bon. Grâce à ça me permet la loi de Raoult. Ça, c'est ce qu'on appelle la loi de Raoult, qui a déterminé, je veux dire, qu'il y avait une constante qui était le KC. Hein. On a vu ce que c'était que le KC. C'était là pour. La proportionnalité de la courbe du solvant, enfin, la proportionnalité, coefficient de proportionnalité du delta C par rapport au, du delta T par rapport au delta C du soluté, fois, on va dire, la masse
molaire ou moléculaire du soluté. Et on avait une constante qui était fonction, dire, du solvant. En fonction du solvant utilisé, on avait une constante. Voilà, une constante qu'on appelait la constante KC. Bon, mais grâce à ça me permet, à l'aide d'un appareil qu'on appelle le cryoscope, hein, bon, comment est-ce qu'on appelle ça? On plonge un thermomètre de haute précision, hein, au millième par exemple, hein, pour mesurer l'accroissement de température, voilà. Et on va venir mettre, je veux dire, une concentration de solvant et une concentration de soluté. Voilà, on va jouer avec le solvant et le soluté. Le KC étant connu, et ça me permettra de calculer, je veux dire, la masse. On peut calculer la masse d'un solvant. Voilà. Ou la masse d'un soluté, pardon. Bon, donc à partir de ça, on va pouvoir mesurer grâce au cryoscope. Hein. Qu'est-ce que c'est que le cryoscope? Mais en fait, il y a à l'intérieur du cryoscope, on a, comment est-ce qu'on appelle ça, un produit réfrigérant qui se trouve à l'intérieur, qui va permettre, je veux dire, en fait, d'avoir une certaine température de congélation. Et il faut savoir que le solvant, on va dire que ça comme ça, hein, on va dire ça comme ça. Bon, le produit, bon, on va dire que le bain réfrigérant. Il a une température de quelques degrés inférieure à la température de congélation du solvant. Donc on dira que le bain du réfrigérant a une température de quelques degrés inférieure à la température de congélation du solvant. Voilà. Et alors, à partir de là, bon, le bain de réfrigérant pour refroidir, bien sûr, vous aurez compris. Et on va mettre un thermomètre, on va plonger un thermomètre plongeant à l'intérieur du, comment? Du cryoscope. Voilà, à l'intérieur du cryoscope. Donc c'est tout un système de refroidissement, voilà. Avec un thermomètre ici de précision, comme j'ai dit, au millième. On va des températures, je veux dire, assez précises au millième. Voilà, c'est tout. Donc millième, c'est déjà une autre très grosse précision, parce que c'est là, on peut parler pour les thermomètres. Pour les thermomètres, c'est une précision. C'est un thermomètre de haute précision, parce qu'un millième, c'est déjà assez costaud pour avoir une telle précision pour un thermomètre. Bon, vous aurez compris que qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, il faut modifier la formule ici. Comment peut-on modifier la formule? Eh bien, sachant, oui, si je me suis trompé, j'ai oublié quelque chose, le N soluté ici. Si je veux rechercher, bon, le but du jeu, c'est de déterminer à l'aide du cryoscope, de l'appareil ici, qui contient un bain réfrigérant, et où on va mettre le solvant et le soluté, donc il faudra deux produits. Hein. Bien sûr, fatalement, d'après la formule, il faut du soluté et du solvant pour retrouver, je veux dire, et on va jouer sur la variation de l'abaissement de température cryogénique grâce à un bain qui va permettre de descendre la température de la température qui va refroidir. Un bain réfrigérant qui va refroidir. Et donc, on va voir comment on va varier cette température, enfin, cet abaissement cryoscopique du solvant par rapport à, voilà, par rapport au bain qui est présent. Ah. Bon, qu'est-ce qu'on connaît? On connaît le KC en fonction du produit qu'on va utiliser, du solvant qu'on va utiliser. Pour un solvant bien connu, le KC sera connu. Sans problème. Maintenant, comment déterminer la masse? Parce que le but du cryoscope, c'est de déterminer la masse molaire.
Bon, la masse molaire, en fait, c'est grand M. La masse molaire, c'est la masse d'une mole. Donc, il faut que j'intègre dans la formule le nombre de moles de soluté qui est égal à la masse de soluté sur la masse molaire du soluté. Donc, il faut que j'incorpore ceci là-dedans. Donc, en fait, ici, vous voyez que j'ai deux équations. J'ai une équation, bon, généralisée ici avec l'abaissement cryoscopique est égal au Kc, qui est une constante fonction du solvant, fois le nombre de moles de soluté divisé par la masse par la masse totale du solvant en solution. Voilà. Donc, pour chercher la masse du soluté, ben, il faut que j'intègre, enfin, j'incorpore le nombre de moles de soluté qui est égal à la masse du soluté sur la masse molaire du soluté dans cette formule-là, puisque j'en ai deux. Donc, si je fais ça tout de suite, mais ça va donner ceci. Donc, c'est le nombre de moles de soluté, c'est égal à la masse du soluté, hein, divisé par la masse molaire du soluté. Voilà. Et nous, on va chercher la masse molaire du soluté. Donc, si je transforme la formule, ben, la masse molaire du soluté, je vais le faire aller ici. Et le delta T va descendre. Lui, il va remonter. Voilà, masse molaire du soluté. Voilà. Et la variation, l'abaissement cryoscopique, je l'ai ici. Voilà. Parfait. Et avec ça, bon, grâce à cette formule transformée, ça me permettra de trouver quoi? Ben, de trouver la masse molaire de n'importe quel corps ayant un soluté en présence et un solvant en présence. Voilà. Donc, le but, c'est, je mets un bain réfrigérant, il y aura, je vais mettre du solvant, hein, une masse de solvant, et je vais regarder là, comment est-ce qu'on appelle ça là? On va regarder comment est-ce qu'on appelle ça. On aura un refroidissement. Hein, bien sûr, la masse du solvant, il est préalablement pesé. Hein. Bon, il faut le peser. À la base, il faut connaître la masse de solvant. Voilà, il est pesé à la base. Ça, c'est une donnée, parce que l'inconnu, elle est là. C'est la masse du soluté. Donc, la masse du solvant, il faut le peser. Et puis je passe dans le cryoscope où il y a le bain qui va réfrigérant, qui va le refroidir. Alors, il va avoir un lent, ça va être lent, hein, le processus va être lent. Quand j'ai introduit le solvant, ben, vous aurez compris que le bain, qu'est-ce qu'il va faire? Le bain réfrigérant, ben, il va ramener un lent processus. De refroidissement, hein, c'est ça le but du bain réfrigérant, un lent processus de refroidissement, donc il faudra être patient, il faudra un chrono pour attendre que tout se fasse à l'équilibre, et on permettra de déterminer avec précision, je veux dire, la température de congélation voilà. Bon, mais ça là, on va déterminer la température de congélation du, comment est-ce qu'on appelle ça, du solvant, après équilibre, hein, après avoir attendu un certain temps. Et puis, qu'est-ce qu'on fait? On recommence l'opération une seconde fois, mais cette fois-ci, non plus en rajoutant du solvant, parce qu'on l'a fait, on a pesé le solvant, mais en rajoutant une quantité de soluté dans le solvant. Donc, un poids connu, bien sûr, hein. Donc, ça, vous comprendrez que ça, c'est un poids pesé, hein, là il a subi la masse de soluté a subi une pesée, la masse du solvant a subi une pesée. Donc, processus numéro 1, c'est de mettre le solvant d'abord. On met le solvant d'abord, hein, et puis après, hein, on laisse refroidir ce qui arrive à la température de congélation. Ensuite, après, on rajoute le soluté, bien sûr, soluté dans le soluté dans le solvant. Donc, on a une solution là à ce moment-là. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, voilà. C'est vrai que j'ai mal dessiné tout ça, mais enfin bref, c'est pas symétrique, très symétrique, hein. Mais en tout cas, tout est connu en fait, c'est ça que je veux dire.
Bien sûr, le fameux thermomètre de haute précision se trouve bon, incorporé hein, dans la solution. Bon, j'ai pris un cryoscope, je veux dire, de laboratoire, mais il existe bon, maintenant des cryoscopes électroniques hein, avec imprimante, etc., en fonction de la précision que vous voulez. Bon, il y a le prix à mettre. Bon, c'est des appareils qui ne coûtent pas cher, mais ça dépend ce qu'on veut. D'ailleurs, je vais vous donner après un site pour aller voir les types de cryoscopes. C'est chez Humo. Humo, qui vend des cryoscopes électroniques, je veux dire, voilà, toutes sortes de cryoscopes de laboratoire, en fait. Bon, voilà, donc en fait, on connaît la masse de soluté en solution. On connaît en fait, quand on connaît la masse de soluté et la masse de solution, ben, en fait, on a quoi? On a. Voilà, on connaît la masse de soluté en solution et la masse de solvant en solution. Autant dire qu'on connaît la concentration de soluté dans la solution. Qu'on a la concentration. Donc la concentration de soluté est connue dans la solution. Voilà. Et alors, bon, comme on avait le solvant, on a une température T1 de congélation. Quand j'ai mis le solvant d'abord, hein, ben quand je mets le soluté, j'ai une température T2. Et vous aurez compris que si je fais T2 moins T1, ben c'est le fameux delta T qu'on a ici. Maintenant, pour la petite histoire, si vous mettez un corps, bon, lorsque le solvant est solide à la température ordinaire, à ce moment-là, il faut non pas un bain réfrigérant, mais un bain chauffant pour le rendre liquide. Hein. Alors, il faut augmenter par une température, je veux dire, assez régulière pour pour avoir une détermination, je veux dire, assez précise des températures, voilà, de fusion si on fait chauffer dans un bain chauffant. Bon, ceci étant dit, je vais faire un cas de figure. Je vais rechercher la masse molaire d'un soluté qui va être la bêta-carotène. Bêta-carotène. La bêta-carotène, voilà, qui est la précurseur de la vitamine, hein, qui est un précurseur de la vitamine, on va dire la vitamine A, désignée par provitamine A, en fait. Voilà. Donc, on va chercher la masse molaire de la bêta-carotène dans un solvant qui est, on va dire, le solvant, le benzène. Bon, mais le cassé du benzène, je l'ai vu, hein, je l'avais vu auparavant. Donc, je connais le cassé du benzène et on va regarder qu'est-ce qu'on va mettre comme valeur de solvant et quelle est la valeur de soluté qu'on va mettre et quelle est la variation de l'abaissement cryoscopique qu'on va avoir delta T. Voilà. On va avoir un abaissement cryoscopique delta T. On va l'indiquer, on va chercher la masse de la bêta-carotène. Bon, il faut savoir que la bêta-carotène, il existe l'alpha, si on dit bêta, s'il existe l'alpha-carotène, je crois, la bêta-carotène, fatalement, c'est celle-ci. La bêta, alpha, bêta, gamma-carotène et delta-carotène. Bon, voilà. Bon, il y a tellement de. Voilà. Et en plus de ça, il faut bien se dire que si je prends. Qu'est-ce que c'est que la bêta-carotène? Comme je dis, c'est un précurseur de la vitamine A. Et on les retrouve dans les additifs alimentaires. Bon, si on retrouve la E160A1, elle est synthétique. Voilà. Si on retrouve la E160A2, mais elle provient de végétaux comme la carotte, voilà, de la patate, mais alors il faut l'extraire à partir de méthanol et voilà, plein de produits chimiques pour l'extraire. Voilà. E160 A3, elle provient de fermentation, et E164, elle provient d'algues. Voilà, bon, donc ça c'est pour les additifs alimentaires notés avec un E, bon, on sait, là, on va les répertorier, si elle provient de synthétique, de végétaux, de carottes, ou de fermentation, ou encore d'algues. Bon, alors, on va refaire notre calcul. On va faire notre calcul.
Je donnerai le site après, le site internet, j'irai voir sur internet après, le site Humo concernant, je veux dire, les cryoscopes, fabrication de cryoscopes, enfin la vente et là, ouais, ils fabriquent, je crois qu'ils fabriquent, enfin ils vendent, mais je sais pas s'ils fabriquent. Enfin ça, on ira voir. Voilà. Ici, je prends 25 grammes de benzène dans le cryoscope. Hein, voilà. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va déterminer la masse molaire de la provitamine A, hein, qui est la bêta-carotène. Alors, la cryoscopie est réalisée à l'aide du solvant qui est le benzène. Donc, dans le benzène, on va le faire. Voilà, entre la température, bien sûr, on va mettre du benzène pur. On va mettre le liquide réfrigérant, bien sûr. Hein, bien sûr, ça c'est pour refroidir le tout. On le met dans le benzène, on met le solvant d'abord, le benzène, dans le cryoscope. Et là, on va doser le benzène avec 25 grammes de benzène. On va mettre 25 grammes de benzène. Voilà, donc la masse du benzène, elle est connue. 25 grammes de benzène. Donc ça, c'est la masse du solvant. Masse du solvant égale 25 grammes masse de solvant. Voilà. Alors qu'on va le dissoudre, bien sûr. Enfin, le benzène va dissoudre va provoquer une solution, je veux dire, obtenue en dissolvant 855 grammes de bêta-carotène. Voilà. Donc 0,805 grammes, 0,855 ou 0,855 grammes de bêta-carotène, qui est la masse de soluté. 0,855 grammes. Voilà. Donc je mets le benzène d'abord. Bon, quand on a le solvant, le benzène, dans le cryoscope, bien sûr qu'il refroidit par un, je l'ai dit, hein, par un liquide réfrigérant. Vous mettez le benzène, et vous mettez 25 grammes, ensuite vous mettez la bêta-carotène, mais avec 0,855 grammes. Voilà, ça c'est opération numéro 2, vous mettez la bêta-carotène, mais dans le benzène. Donc vous avez la bêta-carotène dans la solution. Ça c'est le soluté, ça c'est le solvant. Voilà. Et là, on va regarder la variation de température d'abord. En T1, quand j'ai mis le benzène, j'avais T1. Quand je mets la bêta-carotène, j'ai T2. Et la différence T2 mais T1 va me donner le delta T. Et donc ici, le delta T, si je mesure le delta T, il est de delta T égale 0,324 degrés Celsius. Voilà. Bon, alors il faut aller chercher le quartier du benzène. Bon, je vais remettre la formule. Hein, il suffit d'appliquer la formule. Hein. Le delta T est égal à quoi? KC, delta T égale KC fois la masse du soluté sur la masse du solvant. Voilà, c'est tout. Il n'y a que ça. Masse du soluté sur masse du solvant. Ah, fois 1 sur delta T. Voilà. J'allais oublier ceci. Ah non, non, ça c'est. Je recherche la masse du soluté. Hein. Je recherche la masse du soluté. Donc je vais faire fois 1 sur delta T. Donc la masse molaire du soluté. Hein, je dois faire fois 1 sur delta T. Bon. Alors si on se rappelle dans le tableau, on avait vu le KC. Le KC pour le benzène, c'est 5,12. Je ne sais pas si vous vous rappelez, allez voir le tableau. J'avais mis un tableau avec des solvants, et bon, avec les cassettes de certains solvants, et il vaut 5,12, voilà, pour le benzène. Alors, la masse du soluté, c'est 0,855. Donc, on va mettre 0,855 grammes. Masse du solvant, c'est 25 grammes. 1 sur delta T, c'est 1 sur 0,300. 24 degrés Celsius, et on va retrouver la masse du soluté. Voilà. Alors, ce qui fait on 5,12 fois 0,855 fois 1, ouais, fois 1, ça fait fois 1, divisé par 25, divisé par 0,324.
Ça fait 0,440. Alors, la masse de soluté, c'est... Voilà. 0,540. 0,540 kilos pour une mole. Si on se rappelle du cassé, le cassé, c'était en quelle unité? Des Kelvin, température thermodynamique, fois. On l'avait déterminé, hein. Si je redétermine le cassé, le cassé, c'est la masse du solvant. Enfin, si on a delta T égale cassé fois nombre de moles de soluté sur la masse du solvant. Donc ici, on a des moles par kilo. Voilà. Donc là, je peux avoir des degrés, hein, des degrés, des Kelvin ou des degrés. Bon, si je mets en degrés, j'aurai des degrés par fois des kilos sur des moles. Voilà. Si j'efface ceci, je vais indiquer que cassé vaut, hein, des degrés fois des kilos sur des moles. Bon, prenons, on va prendre ça. Le cassé, c'est des degrés fois des kilos par mole. Des kilos cassé, c'est des kilos, des degrés par des kilos par mole. Donc, on a bien des degrés divisés par des degrés ici, ben ça tombe. Des grammes divisés par des grammes, ça tombe. Il va rester des kilos par mole. Donc, c'est 0,540 kilos par mole. Voilà. Ce qui fait, en gros, environ, parce que j'ai laissé tomber les virgules, enfin, les nombres après, le zéro après, ce qui fait 540. 540 grammes par mole. Voilà. Pour une mole, j'ai 540 grammes par mole. Bon, on va vérifier si on dit vrai. Bon, on va regarder la molécule de bêta-carotène. Elle n'est pas compliquée. Elle n'est pas compliquée, mais vous l'avoir vue déjà une fois, parce que c'est vrai que celui qui ne l'a jamais vue, il peut se demander à quoi elle ressemble. Mais en fait, je vais la montrer. Donc, c'est la précurseur de la vitamine A. Et en fait, il faut la dessiner comme ceci. Bon, il faut les écarter. Il faut les écarter. Bon, ici, vous dessinez un polygone. Voilà, pas très grand, parce que moi, je n'ai pas assez de place. Bon, le polygone ici, il doit être, on va dire, voilà, vous faites ceci. Et vous refaites le même polygone ici. Il vient, attendez. Ici, il s'accroche là. Mais l'autre, il ne va pas s'accrocher là parce qu'il faut le remonter, justement. Vous devez le remonter d'un cran. Il doit être tout au-dessus. Voilà. Vous accrochez ça comme ça ici. Donc, attendez, hein, il ne faut pas que je me trompe non plus. Si je fais ceci. Voilà. 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 Donc, vous devez dessiner absolument ça. Deux polygones, dont un qui est en bas et l'autre qui est décalé au-dessus. Ça, c'est simple. Ça. Jusqu'à présent, c'est simple. Et vous tracez une ligne comme ça. Comme ça. Alors, après, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez. Bon, vous voyez, ils sont décalés. Hein, ils sont décalés. L'accrochage, il se fait ici et là. Voilà. Sur un carbone ici et un carbone là. Autant dire que celui-ci, il est décalé par rapport au. Il se trouve au-dessus par rapport à l'autre. Et à partir de là, vous faites comme ceci. Hein, vous dessinez 3, 4, 5, 4, 3. En fait, c'est une symétrie. Vous dites 3, 4, 5, 4, 3. 3, pourquoi? 1, 2, 3. Une fois que vous comptez 3, vous mettez une barre.
Voilà. Maintenant, comme j'ai dit ici, j'ai dit, vous en mettez 3. Maintenant, vous remettez 4 et vous remettez une barre. Donc, vous comptez 4. Donc, une, deux, une, deux, trois, quatre. Et normalement, la barre se retourne vers le haut. Voilà. Maintenant, comme on a compté 4, je remets 5. 5. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Et là, quand vous avez compté 5, à ce moment-là, vous mettez une barre vers le bas. Voilà. Alors, maintenant, de nouveau, vous recomptez 4. 1, 2, 3, 4. 4 barres. Et vous faites une barre vers le bas. Voilà. Et normalement, pour arriver à l'autre, 1, 2, et avec le troisième, vous devez vous accrocher. Donc, 1, 2, et avec le troisième, vous devez vous accrocher. Voilà. Au polygone ici. Voilà. Voilà. Alors, maintenant, donc j'espère que je ne me suis pas trompé. Vous devez mettre 3, 4, 5, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, ici c'est 4, 1, 2, 3, voilà. Donc c'est 3, 4, 5, 4, 3. Bon, c'est presque une série, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5. Arrivez au symétrique, vous rechangez, vous redescendez. 3, 4, 5, 5, 4, 3. Voilà. Donc 1, 2, 3, hop. Vous remontez. 1, 2, 3, 4. Vous remontez. 1, 2, 3, 4, 5. Vous descendez. 1, 2, 3, 4, 4. Vous descendez. 1, 2, 3. Et vous l'accrochez. Donc autant dire que vous en avez normalement 2 vers le haut et 2 vers le bas. On a 2 placés en haut et 2 placés en bas. Voilà. Maintenant, vous devez mettre les doubles liaisons. Oui, il faut savoir que ici, il y a une double antenne. Hein. Ici, lui, il se met avec une antenne comme ceci. Et là, une antenne comme ça. Et celui-là, c'est la même chose, sauf que l'antenne, elle est tournée. Celui-ci, il est vers le bas. Vous voyez qu'il y a une symétrie. Hein. En fait, c'est comme si on avait tourné. Voilà. Donc, regardez, lui, là, j'en ai une au-dessus. Si je l'avais coupé au milieu, lui, il est au-dessus, lui, il est au-dessus. Lui, il est en bas, il est en bas. Et alors, vous tournez. On l'a tourné, c'est comme si on avait tourné. Deux au-dessus, deux en bas. Lui, il est au-dessus, lui, il est en bas. Les deux antennes-là, elles sont en bas, et là, elles seront ici. En haut. Voilà. Bon, maintenant, on va s'amuser à mettre toutes les doubles liaisons. Les doubles liaisons, en fait, les doubles liaisons, elles se placent, dire, la plupart du temps, en descente. Par exemple, ici, j'en ai une. Je vais remettre tout en rouge, hein. Ou alors je le frapperai. Là, ici, j'ai une double liaison. Voilà. Ici, j'ai une double liaison. Tout comme ici, j'ai une double liaison. Voilà. 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 Ça, c'est le placement des doubles liaisons. Maintenant, entre eux, j'ai toujours des doubles liaisons. J'en ai une. La plupart du temps, c'est des descendantes. Donc ici, je descends, je descends. Voilà. Le troisième, je descends. Le quatrième, je descends. Voilà. Le cinquième, ici, je descends. Par contre, ici, celui-ci, il est en bas. La double liaison est en bas. Voilà. Et puis après, on en a une ici au-dessus. Une en dessous, normalement. Voilà. Donc, ici, entre les deux. Donc, j'en ai une au-dessus, une en bas. Et bien sûr, la dernière, elle est là. Vous aurez compris que c'est tout. Les doubles liaisons sont la plupart du temps au-dessus. Hein. Là, elle est au-dessus. 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 Et là, elle est en dessous. Voilà. Arrivé à l'antenne ici, elle est au-dessus. Voilà. Elle est en dessous. Et puis, elle est encore au-dessus. Puis, elle est encore en dessous. Puis, de nouveau, on la retrouve au-dessus. Voilà. Bon, alors, ça fait combien de carbone ça au total? Bon, maintenant, ceci étant dit, on a tracé notre molécule de bêta-carotène. Bon, alors vous comprendrez que ici, qu'est-ce que c'est? Maintenant, je vais mettre tout en rouge pour éviter. Voilà, ici, je mets en rouge, non, en rouge,
Là, en rouge. Alors, on va compter le nombre de carbones. Ici, j'ai un carbone. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ici, j'ai déjà 6 carbones, hein. Donc, je recommence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 carbones. 40 carbones. Voilà. Donc la bêta quarantaine possède 40 carbones. Voyons voir les hydrogènes maintenant. Bon. Les hydrogènes, normalement, on a des carbones primaires, secondaires, tertiaires et quaternaires. Bon, ici, ici j'ai une, deux. Pour faire simple, une liaison carbone, c'est valence 4. Bon, ici, j'ai déjà deux bras. Donc, il m'en reste deux. Là, j'ai une, deux bras, il m'en reste deux. Une, deux bras, il m'en reste deux. Pour faire quatre. Une, deux, là j'ai une, deux, trois, quatre. Je ne sais plus rien mettre pour celui-là. Pour celui-là, une, deux, trois, quatre, je ne sais plus rien mettre pour celui-là. Une, deux, trois, quatre, je ne sais plus rien mettre pour celui-là. On est bien d'accord. Voilà. Alors maintenant, pour celui-là, ben, je peux en mettre trois. Là, 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 je peux en mettre 3, 3, là, 1, 2, 3, 4, là, je ne sais pas en mettre, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, là, je ne sais plus en mettre, 1, 2, 3, alors, 1, 2, 3, 4, je ne sais plus en mettre ici, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, ici, je peux en mettre un. Celui-ci, là, une, deux, trois. Ici, je peux en mettre un. Une, deux, trois, quatre. 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 Une, deux. Ah, c'est peut-être qu'il y en a deux ici. Une, deux, trois. Ah non, il n'y en a qu'une seule. Quatre. Une, deux, trois. Quatre. Une, deux, trois, quatre. Lui, il n'y en a pas. Une, deux, trois, quatre. Une, deux, trois, quatre. Une, deux, trois, quatre. Voilà, ça fait beaucoup, hein. Alors ici, ce que je n'ai pas oublié, 1, 2, 3, 4. Voilà. On va les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. J'en ai oublié un ici. 17, ouais, il faut toujours 1, 2, 3, 4, j'en ai oublié un ici. Bon, je recommence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56. Voilà. 56. 56 hydrogènes. Donc, la bêta carotène, c'est C40H56. Bon, maintenant, on va voir la. On sait bien que le carbone, c'est une masse de.
de 12 unités de masse atomique et l'hydrogène de 1. Donc si je calcule, c'est 12 fois 40 plus 1 fois 56 et j'aurai le total pour voir si c'est bon. Donc 12 fois 40, 480, plus 56. 536. Voilà, ça fait 536 grammes pour une mole. Hein. Pour une mole, ça fait, voilà, c'est 536 unités de masse atomique. Ah, mais bon, par rapport, voilà, un atome, enfin, l'atome gramme n'est plus utilisé depuis très longtemps. Mais si je mets dans une mole, c'est-à-dire 6,02 fois 10 exposant 23 particules de bêta-carotène comme ceci, ça fait énormément de particules, mais j'aurai 536 grammes, voilà, dans une mole, c'est-à-dire 6,02 fois 10 exposant 23 particules. Voilà, et ça, c'est ce qu'on appelle la bêta-carotène. Bêta-carotène. Voilà. Voyons voir par rapport à ce que nous avions trouvé dans le calcul précédent. Là, on avait trouvé 540 moles. 540 grammes par mole. Et là, on a 536 grammes pour une mole. Voilà. Bon, autant dire que si vous regardez la bêta-carotène, ça ressemble à un serpent. Hein. Ouais, c'est un fameux serpent. Bon, ici, elle apparaît comme ceci, mais bon, si on devait la regarder, bon, si vous remarquez, elle ne marche plus tellement bien. Mais si on devait la regarder, bon, elle est un petit peu spécifique. Hein. Bon, vous comprendrez. Un petit peu spécial. Hein. Comme ceci. Voilà, vous comprendrez que c'est un petit peu ceci qu'on peut voir en fait. Voilà, quelque chose comme ça. Voilà, c'est plutôt ça la bêta-carotène. Voilà. Mais donc, qu'est-ce qu'on a dit? On a trouvé par calcul, via les cryoscopes, des données qui valent 540. Enfin, on a trouvé via le cryoscope 540 grammes par mole. Et là, bon, en réalité, c'est 536 grammes par mole. Donc, bien sûr, bon, on a parlé de précision auparavant, mais la précision. Parce que la précision retrouvée par cryoscopie, bien sûr, vous l'avez compris, laisse à désirer. Bon, on n'est pas précis, je veux dire, au gramme près. Vous aurez compris que, bon, là, on a quand même 4 grammes de différence. Bon, c'est pas. Bon, ce qui fait que si on regarde 4 sur 540, hein, la différence, c'est 4 par rapport à la valeur vraie. La valeur vraie, c'est 536. Ouais, c'est là la valeur vraie. 4 sur 530, 4 divisé par 536, vous allez voir. En relatif, combien ça fait? La différence de 4, 4 divisé par 536, qui est la valeur vraie, voilà, fois 100, pour voir, voilà, oui, je recommence, 4 divisé par 536, pour avoir 1%, voilà, on fait presque 1% d'erreur, 0,74%, ouais, parce que pour avoir ouais, par exemple, si je prends sur 500, 5 divisé par 500 fois 100, voilà. 5 sur 500, là on fait 1% d'erreur. Voilà. Là c'est 1 centième. Si je mets fois 100, ça fait 1% d'erreur. Si je fais une erreur de 5 sur 500, mais ici je fais une erreur de 4 sur 536, donc on est à moins de 1%. Donc c'est bien juste. Donc je fais bien 4 divisé par la valeur vraie qui est 536. 536, la valeur vraie, ok. Je fais x100. Donc ici, on a
0,74 0,74% d'erreur. Donc, j'ai pas 1% d'erreur. Mais fatalement, qu'est-ce qu'on appelle. Alors qu'on a pris un thermomètre au millième, bon, ici, on a quand même. On a presque 1% d'erreur. Presque. On les atteint pas, mais on a presque 1% d'erreur. Bon, avec tout l'appareillage mis pour de la haute précision pour essayer d'avoir la valeur la plus proche possible, on se rend compte quand même qu'avec des matériels de précision, c'est-à-dire par exemple si je prends un thermomètre de précision, si je fais mes pesées avec comment est-ce qu'on appelle ça, des balances de précision, mais normalement, logiquement, je dois avoir de la précision en finalité. Mais en fait, on se rend compte que malgré tout, bon, j'ai quand même 1% d'erreur, ce qui fait beaucoup par rapport à tout ce qui est au pourtour et qui était de matériel ou appareillage de précision. Voilà. Bon, j'ai une dernière remarque à faire concernant, je veux dire, comment est-ce qu'on appelle ça, la loi de Raoult. La loi de Raoult, mais c'est qu'en fait, bon, la loi de Raoult tombe en défaut lorsqu'il s'agit de solutions d'électrolyte, on va dire, d'électrolyte tout court. Que ce soit, comment est-ce qu'on appelle ça? Les acides, bases et sels. Voilà. Parce que là, l'abaissement cryoscopique est, on va dire, largement, largement, je veux dire, supérieur aux prévisions attendues. Donc, fatalement, on peut se rendre compte que, je veux dire, là, il y a une théorie qui est faite par rapport, je veux dire, aux acides, bases et sels, hein, aux électrolytes. Et donc, fatalement, on va intervenir au travers. Je veux dire de l'ionisation. Donc ici, comme il n'y a pas, voilà, c'est un problème qui va être traité plus tard. Pourquoi? Je veux dire là, comment est-ce qu'on appelle ça là, elle tombe en défaut. Voilà, cette loi tombe en défaut pour ce qu'on appelle les électrolytes. Donc, sachez que la bêta-carotène, il existe plusieurs types, soit synthétique, soit fabriqué à partir d'algues. Voilà, celui qui vient à partir des végétaux, c'est-à-dire la carotte, et d'autres, voilà, les aliments, et qu'il est souvent utilisé, je veux dire, en agroalimentaire. Il est utilisé en agroalimentaire. Voilà. Bon, vous avez pu voir, je veux dire, ce que c'était que la loi de Raoult. Dans quoi je veux dire, elle est de, je veux dire, d'un appareil de mesure qui est le cryoscope. Hein, je veux dire, voilà, la loi de Raoult, le cryoscope, et une application relative, je veux dire, à la mesure de la bêta-carotène dans du benzène, à travers d'un solvant qui est le benzène, le bêta-carotène étant le soluté. Et à partir de là, on se met à trouver, je veux dire, voilà, la masse molaire. À presque 1% près de précision, à presque, hein, parce qu'on est à 0,74%, donc presque 1% toute raison gardée, 0,74%, 1% près, je veux dire, d'erreur, on va dire en gros, en grossière approximation, 1% d'erreur par rapport à tout ce qui a été utilisé comme matériel de précision. Voilà. Ah oui, j'ai oublié juste un truc. Pour terminer la vidéo, voilà, ce que je voulais expliquer, c'est qu'il existe, voilà, le site c'est humo.com, voilà, on retrouve sur humo.com des rubans à encreur d'imprimante voilà, des rubans à encreur, des cryoscopes mono-échantillons avec imprimante,
Voilà, et celle-là, elle coûte cher, elle est à 15 600 euros. Vous voyez, le prix, il y a des solutions étalons, voilà, avec des ampoules de 10 millilitres. Il y a, je veux dire, kiosque, voilà, avec un seul échantillon, solution étalon, voilà, 110 millilitres, voilà, on retrouve un peu tout. Kiosque, voilà, avec deux passeurs automatiques, avec imprimante, tube en V, voilà, ils vous vendent tout ce qui est tourne autour, voilà, et le site s'appelle exactement humo.com. Voilà, je vais l'écrire ici, c'est humo. Humo avec un M. Hein. Humo.com. Et alors, vous allez dans slash matériel, hein. Il y a matériel. Et là, à ce moment, dans matériel, vous allez dans kioscope.html. Kioscope.html. Là, vous allez voir donc www.humo. Vous allez dans la section matériel et à partir de là, vous pouvez choisir comment le matériel. Je suppose qu'ils vendent du matériel de laboratoire. Je ne sais pas si c'est eux qui les fabriquent. J'en sais rien. Mais vous allez voir ce site. Et ce site va vous donner des renseignements. Si quelqu'un va acheter un appareil pas trop cher, parce qu'il existe des appareils, du matériel pas trop cher, mais il existe aussi des appareils bon, qui coûtent plus cher. Matériel de précision qui vous fait hein, qui vous sort sur papier, enfin, qui vous fait des multifonctions. Hein, je veux dire qu'un. Voilà, plus vous, hein, plus on monte dans la gamme, et plus vous payez cher. Ça a toujours été comme ça a toujours existé comme ça en fait. Plus on veut, je veux dire, la perfection, la précision, les multifonctions, ben vous devrez payer, je veux dire, en rapport avec les capacités fournies par, je veux dire, l'appareil, ce sont souvent des appareils électroniques là. Hein. Alors que ce que je vous ai mis tout à l'heure, c'était pas un appareil électronique, puisque c'est un appareil de laboratoire, je veux dire, voilà, qui n'est pas électronique. Voilà. Voilà, je vous remercie beaucoup.